On peut avoir une histoire? Oui, une histoire! Une histoire! Une histoire! Une histoire! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Munky. Alors, comment profiter de l'offre en ligne pour les tout-petits? Comme d'habitude, vous vous rendez sur le portail du réseau des bibliothèques, vous vous connectez avec vos identifiants. Lorsque vous êtes connecté, vous vous rendez dans l'onglet « Offres en ligne ». Et la deuxième offre, ce sont les musiques et les contes pour les petits. Vous cliquez sur « Accéder » et vous arrivez directement sur le site de Munky qui vous demande de créer votre compte et puis ensuite de télécharger l'application sur votre tablette ou votre smartphone. Je vous laisse donc compléter les informations. Ensuite, vous cliquez sur « Créer mon compte ». Vous allez ensuite recevoir un mail de la part de Munky avec vos identifiants et mots de passe. Vous aurez ensuite le choix de télécharger l'application Munky soit via l'Apple Store pour les appareils Apple, smartphone ou tablette, soit via le Google Play pour les appareils smartphone ou tablette Android. Voyons maintenant plus en détail comment télécharger votre application Munky sur votre smartphone. Vous vous rendez soit sur votre Apple Store, soit ici sur le Play Store. Vous faites une recherche pour trouver l'application Munky. Le premier résultat, c'est la bonne. Vous cliquez sur Installer. Vous attendez que le téléchargement soit complet. Ça peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion Internet. Vous cliquez sur Ouvrir. Vous allez découvrir alors l'interface de l'application Munky. Vous entrez ensuite les informations qui vous ont été envoyées par email. L'identifiant et le mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Vous voyez ici que l'abonnement vous est bien offert gratuitement par la communauté de communes du pays d'Uzès et votre bibliothèque. Vous cliquez sur OK. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter des histoires et de la musique proposées par Munky. L'utilisation de l'application est très simple parce qu'elle est prévue pour des enfants. Vous cliquez sur l'album ou sur l'histoire. Je m'appelle Hippolyte et je suis fils unique. Ce sont les deux problèmes de ma vie. Pas de frère, ni de sœur, et un prénom moche.